Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une recette de coquilles du Cameroun. J'ai ici environ 300 grammes de coquilles que j'ai trempées dans la nuit. Donc ça a passé toute la nuit, ça s'est bien ramolli et j'ai également bien lavé comme vous pouvez le voir. Nous aurons également besoin d'huile de palme. Nous aurons besoin de sel et enfin du piment. Donc voilà, je mettrai les quantités en bas de description. Allons-y donc pour la préparation. Pour commencer, je vais reverser comme ça les coquilles à l'intérieur du mixeur. Je vais ensuite rajouter du piment. Et environ 2 verres d'eau. Je vais ensuite mixer le tout. Donc voilà la texture du coquille, ça ne doit pas être trop écrasé. Donc voilà, je l'ai écrasé pas vraiment trop. Donc je vais continuer comme ça en chauffant mon huile. Elle ne doit pas complètement blanchir, mais elle doit rester rouge, mais tiens. Donc là, j'ai mis à peu près la moitié d'un demi-litre d'huile. Je mettrai dans le coquille au fur et à mesure. Donc voilà. Dès que l'huile s'est bien liquidifiée et a cette texture, nous allons simplement arrêter le feu. Laisser légèrement refroidir. Donc voilà. Donc je vais donc reverser comme ça le coquille à l'intérieur du bol. Je vais ensuite rajouter de l'huile. Comme vous l'avez remarqué, j'ai mis juste une partie. Nous allons bien mélanger et voir si nous pouvons rajouter encore. Mais là, je pense que c'est suffisant. Donc, je vais donc continuer à mélanger à l'aide de mon fouet. Donc, je vais encore ajouter juste une petite quantité d'huile. Nous allons encore bien mélanger. Je tiens à préciser que si vous avez un mortier et un pilon, vous le faites tout simplement à l'intérieur pour avoir un plus meilleur goût. Donc voilà. Je vous montre la texture. Je vais ensuite rajouter du sel. Vous allez simplement mettre le sel en fonction de votre convenance. N'hésitez pas de rectifier si possible afin que votre coquille ne soit pas trop salée. Donc, étant donné que j'avais pas de feuilles de bananier, je vais simplement utiliser le papier de cuisine et le papier alu. Donc, observez juste comment je vais faire. Voilà. À l'intérieur du bol, je vais mettre mon papier alu dans ce sens, également dans l'autre sens. Ensuite, je vais mettre du papier cuisine.
Donc voilà ma boule, qui est simple. Donc, comme vous l'avez remarqué, la famille, je fais cuire mon coquille à l'intérieur d'un cuiseur vapeur. Vous pouvez également utiliser simplement votre marmite que vous allez mettre de l'eau et déposer vos boules à l'intérieur pour les faire cuire. Donc, nous allons donc cuire le coquille pendant une durée de 3 heures de temps. Donc, voilà, je vais ajuster mon cuiseur à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et ensuite, je vais le réajuster au fur et à mesure. Voilà, donc rendez-vous à la fin. Donc voilà, restez connectés. Donc la famille, après environ 3 heures de temps passé comme ça en cuisson, notre coquille est prêt. Nous allons déballer ensemble pour voir. Oh my god, oui. Voyez cette belle couleur. Oh, c'est tellement bien réussi. Observez cette belle couleur. Cette belle texture. La famille, voilà notre coquille. Il est prêt, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment comme une éponge. Je l'ai accompagné comme ça de patates douces. Vous pouvez également l'accompagner de plantain mûr, de macabo, de banane. Donc voilà, bref, selon l'accompagnement de votre choix, c'est tellement délicieux. Voilà. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes publications. Donc voilà. Voyez, c'est tellement moelleux. Le goût, vraiment le goût, c'est tellement délicieux. Je vous fais plein de bisous et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!